La big news de la semaine, c'est bien évidemment Star Wars Battlefront et la flopée d'infos allant avec. Et comme avec la Xbox TV, vous ne ratez rien, voici donc un petit récap. Tout d'abord, la date de sortie. Le jeu est attendu chez nous pour le 19 novembre de cette année, c'est-à-dire un mois avant la sortie du film Star Wars : Le Réveil de la Force. Parmi les planètes disponibles, il y aura Endor, Hoth, Tatooine et beaucoup d'inédites. Au niveau du gameplay, on pourra alterner entre une vue FPS et une vue à la troisième personne. Et surtout, vous pourrez incarner des visages bien connus comme Dark Vador. Le tout avec des véhicules et des atouts comme un bouclier ou encore un jetpack. Du contenu additionnel gratuit et même déjà prévu comme la bataille de Jakku. Et si vous précommandez le jeu, vous pourrez en profiter une semaine avant tout le monde. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout. Bien évidemment, plein d'autres nouvelles vont arriver d'ici la sortie et nous, eh bien, on sera sur le coup. Les membres preview de Windows 10 profitent ce mois-ci d'une mise à jour et de nouvelles fonctionnalités, notamment pour l'application Xbox. Vous pouvez maintenant enregistrer des extraits vidéo de vos parties. Autre possibilité, celle de récupérer le flux télé de votre Xbox One pour le diffuser sur votre PC. Plein d'autres nouveautés ont été annoncées et comme d'habitude, nous vous ferons un tuto vous expliquant tout cela en détail très bientôt. Un patch pour Halo The Master Chief Collection est désormais disponible. Cette mise à jour touche le système de classement et les pénalités durant les matchs, mais vous profiterez aussi de rafraîchissements de cartes et de corrections de bugs d'hébergement. Le titre bénéficiera également d'une stabilité générale optimisée. Une bonne nouvelle pour les joueurs, mais aussi pour l'e-sport. Pour les fans de basket, sachez que NBA 2K15 est disponible ce week-end gratuitement si vous êtes membre Gold. Mais dépêchez-vous si vous voulez profiter de ce très bon jeu de basket, car cette offre exceptionnelle s'arrêtera le 27 avril. Si vous n'êtes pas trop basket, vous pouvez profiter des offres bon plan gold du moment. Cette fois-ci, c'est Call of Duty Ghost qui est mise à l'honneur avec une réduction de 40% sur l'édition dématérialisée et 60% sur la version classique. We Are Doomed est lui à moins 10% et Never Alone, un jeu de plateforme puzzle très poétique à ne pas rater surtout si vous aimez Ori and the Blind Forest, est à moins 40%. Vous regrettez le temps des solos de guitare frénétiques, de la sueur après un petit Dragon Force, de la foule en délire? Eh bien sachez que Guitar Hero sera très bientôt de retour avec Guitar Hero Live. Ce nouvel opus vous placera en vue subjective et face à un public qui réagira en temps réel à vos actions à la guitare. L'autre nouveauté, c'est le Guitar Hero TV, un réseau de clips vidéo qui seront jouables directement depuis un catalogue renouvelé très régulièrement. Une nouvelle qui va forcément réveiller le rocker qui sommeille en vous. Cette semaine, vous pouviez aussi compter sur votre lot de sorties, dont notamment Assassin's Creed Chronicle China. Un épisode un peu particulier de la série, puisqu'ici, c'est dans un jeu de plateforme que vous incarnez un assassin. En plus de cela, l'action se déroule dans l'Empire chinois. Suivront par la suite un épisode en Inde et un autre en Russie. Cet opus est disponible en téléchargement. Infinity Runner est aussi de sortie. Ce jeu à la première personne vous place dans la peau d'un fugitif tentant de s'échapper d'un vaisseau spatial. Vous allez devoir user de vos réflexes pour vous en sortir, mais pas de panique, vous êtes un loup-garou. ID at Xbox continue de nous proposer plein de petites nouveautés comme Haru's Awakening. Ici, vous êtes dans la peau d'une créature légendaire qui peut se téléporter à volonté sur de courtes distances. Un jeu visuellement très abouti avec des décors faits à la main et une animation très travaillée. Happy Wars est lui aussi disponible. Dans ce jeu multijoueur rassemblant jusqu'à 30 personnes par partie, vous allez devoir prendre d'assaut le château adverse. The Escapist profite lui de son premier DLC et quoi de mieux que de tenter de s'échapper de la célèbre prison d'Alcatraz. Un défi à la hauteur de votre talent, on en est certain. Parmi les DLC, The Evil Within propose lui aussi du contenu additionnel avec The Consequence qui va vous replonger dans l'horreur, enfin si vous en avez le courage, évidemment. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve très bientôt pour toujours plus d'infos sur Xbox One. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à la chaîne Xbox FR si ce n'est pas encore fait, pour tout voir et pour tout revoir. Allez, bon jeu à tous!